take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Resident Evil Révélation 2, donc l'épisode 3. Comme vous pouvez voir, j'ai plus tout à fait la même tenue parce que du coup j'ai débloqué des tenues spéciales et j'ai changé la tenue de tous les personnages. Elle est belle comme ça, elle. Elle ressemble à rien. Non, me tire pas dessus. Si, je te tire dessus. Non, ne me tire pas dessus. C'est excellent. Non, ne me tire pas dessus. Bon, allez, on est parti. Précédemment dans Révélation 2. Claire et Phil, vous venez avec nous. Où m'a-t-on emmené ? Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Qui êtes-vous ? Je suis la sentinelle. Pitié ! Envoyez de l'aide ! J'arrive, bébé. Pourvu que tu sois en vie. Je n'ai pas de parents. Voilà. Comment tu le sais ? C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing. Bordel, est-ce que quelqu'un m'entend ? Il s'appelle Moira. Ouais. Elle est morte. Quoi ? C'est comme un Kijutsu! On s'éclate! Continuez sans moi! On se rejoint plus tard! T'as entendu, Gabe? Cours! Fais pas bouger, Fisher! Hé, Fernandez, regarde. Est-ce que c'est là? Le Vacit ou je sais pas quoi? Ouais. Là où la vie commence. C'est celui de Thompson ? Ouais. Je vais l'examiner. Oh merde, Gay ! Slip. Vas-y, entre. La nouvelle tient le coup. Ah, je savais que c'était vous. Une préférence? S'est réveillé au milieu d'une forêt. Et vous ? Une sorte de prison délabrée. Gabe, Jenna est morte. Merde. Thompson aussi est mort. Ouais, mais j'ai récupéré son bracelet. Eddie voulait que je regarde comment ça marche. T'as tranché sa putain de main ? Parfois, il faut faire des choix. Allez, entrons dans ce bâtiment. Alors, comme vous pouvez le constater, vu que j'ai débloqué des tenues, je les ai changées. Donc moi je me retrouve avec cette petite tenue affriolante.
Et mon ami, avec une petite tenue de diablotine affriolante aussi. Ah là là. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Tu parles pas. Oula. Bienvenue dans le monde de la véritable peur. La sentinelle. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous jeter contre un mur. Je veux voir qui va y rester collé. Le mur, c'est un virus très particulier que j'ai injecté en chacun de vous. Mais quoi? Nous allons tous mourir, c'est inévitable. Mais l'un d'entre vous peut avoir une mort honorable. Je suis pas un rat de labo. Son virus, ça peut se me mettre là où je pense. On a été infecté par quelque chose. Cette pute m'a planté une aiguille. Pas la peine de se prendre la tête. Redfield, viens avec moi. Allez! Tu permets, je peux faire le tour des affaires avant. Prends ça. Du produit chimique odorant. Bon, tu sais, mes épées, ils suffisent. Carte, c'est pas mal ça. Une petite carte, mais gros déodorant, c'est pas besoin de produits. Je dois te montrer quelque chose. Vas-y, montre-moi. Ah, j'espère que Fisher va bien. Neil? Neil était avec vous? Ouais. Mais on a dû se séparer. Putain, quel gentleman, c'est moi qui dois ouvrir les portes, quoi. Tu parles d'un mec, toi? Oh, un petit hélico pour se barrer. Tu penses pouvoir piloter ça? Si on arrive à le réparer, mais il n'y a pas assez de voltage. On a besoin d'une nouvelle batterie et de carburant. Ah, et on va trouver exactement ce qu'il nous faut dans ce merdier. Croisant mon expérience. Aide-moi à chercher. Ouais, t'as de l'espoir quand même. Genre là, il y a de l'essence. Alors. J'ai besoin de toi. Là. Oh. Non, remarque, c'est pas faux. Je fais pas assez attention à toute la zone. Donc la zone, c'est ça. Donc là, le point, c'est là. Moi, j'étais pas loin. Je suis pas encore très bon. Ok, donc c'était pas ça. En même temps, c'est pas plus mal. Ça aurait été très con que ce soit juste là. Claire? Oui, t'inquiète, je suis là. J'ai l'intuition qu'on n'est pas seul. Non, tu crois? Petite main. Petite main. Ouais, c'est pour la gamine. Claire, il y a de la lumière dans cette maison.
Oh. C'est un peu aléatoire quand même. Puis y a pas de truc qui te... Oh, y en a deux en plus. On doit aller là. Oh, n'importe quoi. Je tirerai là. Oh, mais non, mais... Fous-toi pas de ma gueule. Putain, puis c'est chaud de le maintenir en petite zone. C'était un test, hein, c'était pas un essai. Eh hey, mais c'est pas possible, là c'est du aléatoire. Ça de là à là, de là à là, voilà ici quoi. Voilà. Merde. Ah bon, on va les deux au même endroit, c'est parfait. Je suis 3 heures pour en trouver un. Sacoche. Mouah. Ouh, ça c'est pas mal. Voilà la batterie. Et une batterie. Il faut trouver du carburant. Pas comme ça, toi. Non. Cours, petite. Tiens. Saleté. Alors, on a trouvé une batterie. What? What the fuck? Vas-y, il y a un gros méchant à tronçonneuse là aussi. Putain, mais ils en foutent dans tous les jeux là. Pas possible ça. Pas me laisser tranquille avec ta tronçonneuse. Ah, c'est toi avec ta tronçonneuse. Mais tu fais quoi? Pedro. Ah, me file pas les jetons, Claire. C'est toi qui m'as fait peur. Regardez un peu ce que j'ai trouvé. Si vous voyez des murs fragiles, je peux sûrement percer à travers. Ouais. Je t'ai pas dit qu'il y avait une raison qu'il soit bouché ce mur. Cherchez s'il y a des choses qui peuvent servir. Ouais, des monstres. Ça c'est sûr qu'il y en aura un. Bon, je peux rien lui faire. Par contre, il y a une bonne petite arme.
de soif. Le pauvre. Il est clair là. Mais t'as peur de quoi? Voilà. Bon bah c'est bon, y a rien d'autre. Hein. Tout ça pour trouver un gun, c'était pas mal quand même. Petit gun. Alors là-dedans on peut pas rentrer. Espèce de bout de mâche, blablabla, j'avais même pas parlé. Il est spécial ce village. Hein. Ouais. D'accord. Donc c'est pas là. Ah, c'est du bien ça, hein. Petite merde. Bon alors. Une batterie. Ça j'ai trouvé. Maintenant il manque, j'ai plus de l'essence. On va y ramener le truc, on va voir déjà si c'est trop pour ramener une première fois un truc. Voilà ta batterie. Oui. Bien joué. Regarde si tu peux trouver du carburant. Oui, bah oui, bien sûr. J'aime bien les gens qui restent rien à... Enfin là, plantés, rien branlé. Faut que j'aille tout faire. Puis mon petit chien qui me suit partout. Bon alors. Où est-ce que tu te caches ? Allez voir là vite fait. Y'a rien. Alors déjà. Quoi? Je peux pas. D'accord. Voilà, ok. Ok. Bah écoute, y a pas d'essence ici. On va bien trouver quelque part. Ah
Là, tiens. Ouais. Non, c'est où j'étais tout à l'heure, ça. Je vois pas là. Ça c'est le... Attends. Non. Un truc hein, mais savoir comment y aller, c'est une bonne question. Le poète pour l'instant. Putain, le vieux château là-bas. Bon, si c'est pas là, est-ce que ça peut être là? On va essayer de faire maison par maison, hein. On va bien y arriver à force de faire le tour de toutes les baraques. C'est fermé. Il n'y a pas un trou. Voilà, le bigleux. Non, c'est pour la petite, même toi tu passes pas. Putain, hé, t'abuses, tu crois pas que tu pourrais te pencher là? Tu peux pas te pencher là, putain. C'est quoi ces abrutis? Bon, bah écoute. Tant pis, madame ne rampe pas par terre. Bon ben là je suis perdu. Je sais pas quoi faire. Putain, je vais peut-être pas été là, je suis con moi. Ben oui, je suis con. Plus c'est accessible de... Ah et oh! Putain, dégage cette arme. Tu crois que Pedro peut utiliser sa perceuse pour passer? Ouais, Pedro. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ouais, Pedro. Tu viens pas tout seul? Faut que j'aille te chercher en plus. On va retourner devant le truc, on va voir si j'ai pas oublié d'appuyer sur quelque chose. J'ai le chic pour oublier. Non, il faut vraiment que je trouve Pedro. Il n'y a pas un bouton Pedro? Vas-y, il est fourré où, lui? Thank you.
était resté là-bas. Il est peut-être resté dans la maison. C'était où? Attends, je ne sais plus. Le père là-dedans. Pourtant pas grand. C'était où? C'était pas là. Non, c'était pas là. Ça, c'est moi qui suis rentré là. Ah, c'était là-bas peut-être. Voilà. Elle est toujours là. On pourrait utiliser ta perceuse, si tu veux te défouler un peu. Non problème, indiquez-moi juste la bonne direction. Celui là. Ah, c'est pas là. Voilà. Putain, me dis pas qu'il suit pas, quoi. Putain, faut que je te tienne la main. Oh. On y est? Je perce. Allez, quoi? Allez, bouge le cul, là. C'est là? Non, bah non, c'est à côté. Ok, reculez. Oh là, ils sont de retour. Hein? Vous deux, ne les laissez pas s'approcher. Non mais tire là. Oh bah hey, oh. Tiens. Recharge. Putain, il y en a combien? Je crois que c'est bon. J'ai failli crever, mais je crois que c'est bon. Enfin, combien de temps? Rapportons ça à Gabe. Claire, j'ai réussi. J'ai trouvé la source d'émission de ces bracelets. Ça vient du nord. Sûrement un endroit en hauteur. La force du signal. Putain, lui, il est fort. Il arrive à trouver comme ça. Aucune interférence. Joli travail, Pedro. Cet endroit est peut-être la solution pour quitter cette île. Ouh, réaction. Oh putain. En plus, j'ai pas de plantes, j'ai rien. S'il me bouffe, je suis mort. T'as tout ce qu'il te faut. Dépêche-toi maintenant. Joli travail, Redfield. Je savais que je pouvais compter sur toi. À mon tour de jouer. Je vais faire quelques tours de magie en mécanique. Merde, j'espère que c'est une blague. Le signal.
C'est la sentinelle. Elle attire ces choses vers nous. Hé, hey, c'est pas du jeu! On fait quoi? Dépêchez de préparer l'hélico. Éteignez-moi cette putain de sirène! Bon, c'est quoi ce délire? Je passais par là tout à l'heure, là. Qu'est-ce que tu me branles? Putain, mais je suis fou, quoi. Non, je suis passé par-dessus. Ben non. Je comprends rien ce que je fais. J'étais persuadé d'être passé par là tout à l'heure. D'accord, on s'en occupe. Ça vient du bar. Répare cet oiseau illico. Oui, je vais venir te consumer moi aussi, tu vas voir. Voilà, dégage. La sirène se trouve sur le toit de cette taverne. L'interrupteur est peut-être à l'intérieur. Allons voir. Putain, je vais devoir te tuer. Ah, il vient par les fenêtres. Il faut se battre et les arrêter. On va tous crever. Je sais pas quoi faire. D'abord. Putain de calme. Go. Oh, ça va là. Allez. Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, mais ta gueule. Il y en a combien là? Merde. Allez, arrête de viser n'importe où. C'est bon là? C'est fini, hein? Mais non. Ils sont partis. Il est où? Tiens bon! Vise bien là. Mais non. Bon ben voilà. Ma première mort. Vous êtes mort. Il me fait quand même vachement penser au premier. Au tout premier Resident Evil. Ils ont repris quelques petits trucs, je trouve, qui a pas mal de petits clins d'œil.
Bon, alors c'est reparti. Allez, t'arrêtes de bégayer là. Oh. Oh. Il faut se battre et les arrêter. On va tous crever. Je sais pas quoi faire. Oh, mais merde, arrête de bugger là. Oh. Bon, je vais faire start. Excusez-moi. J'espère que ça va arrêter de bugger. Punaise, c'est pas vrai, ça. C'est chiant. Bon, c'est beaucoup trop lent. Ah, mais non! Allez, arrête de bugger là. Tais-toi, toi. C'est pas juste. Allez. C'est bien, ma petite. Allez. Non, tu rêves, c'est pas fini. J'ai plus rien. Oh, j'ai plus rien. Tiens bon. J'ai plus rien. Oh, je vais rien pouvoir faire. Ah si, j'ai des cocktails Molotov. Merde. Merde, c'est quoi ce truc? Oula. Pedro, regardez comme ça. J'ai appris la couleur de la. Ouais, bah moi non plus je le cherchais pas quoi. Putain, puis j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout quoi. Et si tu veux que je le tue avec un couteau. C'est toi qui va crever, mais moi aussi je crois. Il n'y en aurait qu'un encore, je dis pas. Mais s'il y en a d'autres, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vas-y, on se casse là. What the f... Mais non, mais...
Vas-y, attends. Écarte-toi un peu. Oui, je suis tombé, je suis dans la merde. Ouais, là. Voilà. Ah, puis eux, ils y vont pas de main morte, quoi. J'imagine que ça va rebugger. Survivez à l'attaque. Bon. Va falloir trouver une petite solution pour le prochain épisode parce que ça peut pas continuer comme ça. Quitte à descendre un peu les graphismes. Aïe aïe aïe, c'est chiant. Je crois qu'il est en train de faire mal, mais je sais pas quoi. Ça m'énerve. Voilà. Cours, ouais. Comme tu dis, cours. Ouais, bien sûr. Mais merde. Mais non, allez. Cool. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Mais non, cours, 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 cours. Putain, t'en as mis du temps toi, je sais pas qui t'es. Oui, c'était l'autre. Et ma petite compagne, elle est où là? Moira, par là, dépêche! Suivez-moi! Mais il monte! What the fuck quoi, il monte là quoi! Mais c'est un truc de malade ces trucs. Eh mais tu me fais tomber où là? Non, espèce de connard. Oh l'enflure. Est-ce que ça va? Putain t'es bête, tu redescends. Bon allez, laisse tomber. Aïe 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 aïe. Ah, oh, puis moi j'aime bien aller au conflit au lieu de me barrer comme un con. Dis, suis-moi. Non, moi. Attends, je vais tous les tuer. Survivre à l'attaque. Donc je vais reprendre là où j'ai eu trop de chance. C'est-à-dire que, voilà, je suis dans la merde et en plus ça bug. Merci bien. Mais non, dégage. Putain, ça m'énerve. Vas-y là, ça fait que de ramer en plus, c'est chiant. Merci.
Alors, deux secondes. Excusez-moi. Option. J'espère que ça pourra améliorer les choses en attendant. Ça vient d'ailleurs. Arrête de ramer là, putain, lui il est excité hein. La chance. Claire. Hey, tu vas où, tu vas où, tu fais quoi, tu fais quoi? Je suis têtu moi, je vais me venger là. Ils m'ont fait chier là, ces putes, je vais me venger. Je me serais pas submergé cette fois. Allez, grimpe là, petite merde. Tiens. C'est bon. Non, il en reste encore un ou deux là. Je serais assez con pour descendre, mais non, on va y aller. Je vais faire le tour pour ouvrir la porte. Tenez bon. Gabe. Je sais, mais on peut pas prendre le risque de rester ici. T'inquiète, c'est un ancien militaire. Il a l'habitude du danger. Il va se par là. Donne-moi un coup de main. Ah bah, finis tes phrases avant de me... Prête. Allez. Putain, ils sont costauds les gens. C'est bien. Mais what the fuck, c'est pas logique leur histoire là, il a déjà disparu le mec. Putain, il doit pas t'aimer beaucoup hein, s'il est là. Heureuse que tu sois vivant. Gabe a dit que vous aviez dû vous séparer. Ouais. Mais je cours vite. Je vais à la salle de sport. Alors, c'était quoi ce monstre? C'était Pedro. La sentinelle nous a injecté une sorte de virus. Le virus s'est activé quand Pedro a eu trop peur. J'en ai entendu parler, oui. Un virus qui réagit à la peur. Bon sang. On est supposé éliminer les virus, pas les attraper. Chienne d'ironie. Moira, je te présente Neil. C'est notre boss. Neil Fisher, tu es la fille de Barry Burton, papa. Ah, donc c'est sa fille. Monsieur, faites-moi une faveur. Évitez de mentionner mon père.
Ouais, en attendant, t'es pas contente, c'est ton papa, mais si tu savais, aujourd'hui ce serait peut-être pas là si t'es pas là, lui. Enfin, dans l'histoire de Resident Evil. Pedro a dit que le signal venait d'en haut. Ça doit être là. Cette tour. Putain, elle est chelou cette tour. La sentinelle est peut-être à l'intérieur. Allons voir. Ah, mauvaise idée. On devrait attendre l'aube. On risque tous de finir comme Pedro si on attend jusque-là. L'heure tourne, Neil. Oula, c'est quoi ça? Ah non, 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 non. Putain, c'est quoi? C'est des cochons? On dirait des espèces de cochons sangliers. Ah ouais. Bon, c'est bon. Allez, on est avec toi, encore une. Allez. Ouais, c'est bien, je peux changer, non? Ah non, je croyais que je pouvais changer en attendant, mais non, elle a abandonné. Ta gueule, toi. Mais non. Allez, continue. Oh là, ils sont de retour. Sûrement les amis. Pourquoi la sentinelle a transformé l'île? Je sais pas quoi. Ils essaient de la fouler. Oula. What the fuck? Je crois que c'était pas programmé que je leur tire dessus, faut croire. La réaction. Dépêche. Neil. Mais oui, c'est bien. Allez, monstre, essayez de m'attraper! Ouais, bon. J'imagine que je peux pas descendre. Ouais, c'est pour ne pas aller vérifier ce qui se passe. Bon. Bah, d'accord. Alors. D'accord.
c'est qui est en train de manger? Je sens qu'il y en a un qui est en train de dîner là. Tu vois? Ah, oh, puis il faut qu'ils arrivent à plusieurs. J'aurais pu mettre ça pour me protéger. Ça me servira à faire quoi ça? Peut-être à choper ça. Mais non. Voilà. Bien ça. C'est une bonne initiative. Mais non. C'est vrai que je peux les tuer discret tous normalement. Et viens là, espèce d'abruti. Je crois qu'il y en a un qui m'a vu. Ça y est, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, je suis dans la merde, on m'a vu. Merci bien. Voilà. Voilà, c'est bien ça, tu pouvais pas m'aider plus souvent comme ça. Bon alors. Ah voilà, déjà. Ça, ensuite. Ah, il y en a deux. Je parle trop vite moi. Bouge. Putain, c'est pris une espèce de putain de patate dans sa gueule. Elle. Eh mais putain, quand il se met à courir lui. Vas-y dans ton cul là. Oula. Barre-toi. Thank you.
compris? Tu vas se coucher, salope. Bon alors. Voilà, j'ai perdu plein de balles, plein de vie. Alors que je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen qu'on. Ouais, quoique. S'il faut pousser des trucs, j'aurais peut-être pas eu moyen de faire ça sans se faire voir. Allez, pousse là. Oh! C'est de l'autre côté? C'est comme ça? Ah ouais, d'accord. Je peux le pousser aussi loin que je veux, cool. Oh, la petite fille qui dit que je suis morte. C'est toi qui dis que je suis morte là-bas. Là. C'est la fille. Oui, on l'a vue dans la prison. Elle a un bracelet. Elle fait partie de l'expérience. Si la sentinelle essaie de faire peur aux enfants, c'est complètement foireux. Là, il essaie de faire peur tout à tout ce qui bouge. Tu sais passer là, toi? Non, tu sais pas passer là. Bon. Je vais pas te faire passer en premier. J'avoue que j'ai chaud là. J'étais. Pour moi, je me prenais un putain de coup de matraque dans la gueule. Oh putain! Ben voilà, putain. Réagis trop de mal à réagir, elle. Me laisserait crever comme ça. Voilà, c'est bien, donne-moi ça. Je vais pas le combiner. Ah bon? Bon. Désinfectant. C'est quoi ça? Produit chimique odorant. Je vais avoir plus rien à la fin. Puis j'ai pas d'armes en plus, ça sert à rien. Attends. Il n'y en a pas qui traîne là. Même. Voilà. En fait, je fais pas attention, mais je pourrais récupérer plein de trucs. Peut-être des fois, je fais pas gaffe. Ouais, trop bien. Il y en a deux. C'est peut-être un truc bien.
cool. Des munitions. Caisse de munitions. Alors. Bah déjà. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, toi? Pas besoin de tout ça. Bah c'est pas plus mal en même temps. Ce qu'elle ramasse, elle l'a pour de vrai. Elle me le donne pas automatiquement parce que c'est moi qui ai l'arme. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas réfractaire, au contraire. Bon, alors avant d'avancer plus loin. D'habitude, hein. Je fais Daylight avant de venir là. Tout qui explose à la gueule, je connais. Si tu veux tester, faire des expériences sur la peur des gens, je pense qu'il y a d'autres méthodes quand même. Je veux pas être méchant, mais je pense que tu t'y prends mal. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ok, c'est bien, ça c'est pas mal, j'aime bien. Go. Pas pigé là. D'accord. Alors, c'est quoi que ça doit ouvrir? Je pense que ça ouvre un truc. Tant qu'à faire, autant savoir quoi. Ça la touche G1. C'est ça que ça ouvre, ok. Waouh, c'est compliqué. Attends, on peut pas faire un switch. Elle va me suivre comme une connasse, elle. Ça va pas rester ouvert longtemps. Il va falloir être rapide. Mais ben reste là-bas où t'es. Putain, ils sont pas doués. Est-ce que j'arrive à vous éloigner un maximum? Putain, reviens trop loin à chaque fois. Putain, tu peux pas rester là-bas, quoi. C'est vraiment une poufiasse, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec deux gogoles comme ça? Mais non, mais laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux faire avec une gogole pareille? Comment je fais, moi? Un truc que je peux prendre, que je peux mettre là-bas.
pas possible. Plus quand t'as commencé à courir, elle devient débile. Bon, vas-y toi. Fais pas la conne. C'est impossible à contrôler en vitesse là-dedans. Mais non, mais... Pff, oh là 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 là. Allez, non, mais... C'est vraiment n'importe quoi. Putain, vive le Polioland, quoi. Allez, putain. Ouais, bon, là, laisse tomber. Putain, non, mais j'hallucine comment que c'est des polios dans le jeu, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas courir et faire un truc en même temps, la gueule. Puis qu'est-ce... Oh, putain. Ah non, mais... Vas-y, soyez un truc que j'ai pas pigé, mais c'est pas possible. Ils ont pas pu essayer de faire un truc avec deux gogoles pareils, quoi. Putain, sale pute, quoi. Putain, t'as pas un bouton pas bougé, ta gueule, tu restes en place, là. Ça existe pas chez toi, ça, espèce de conne. Oh non, je te suis comme un petit chien, je te colle à ton cul. Non, puis merde! Elle a deux temps, quoi! C'est pas possible, je me plante, y a autre chose à faire, quoi. Ils ont pas pu baser leur jeu sur une merde pareille, quoi. Ah, puis elle réagit pas là. Trion, espèce de conne. Vas-y, je crois que je vais vous laisser là, ça me saoule. Là, je suis en train de m'énerver, il est tard. Puis j'ai affaire à deux confiasses, regarde là. Espèce de gogole. Qu'est-ce que tu fais là, là? Tu dois rester en face, espèce de pute. Ah, je m'énerve. Excusez-moi, mais... Là, là, tu restes bloqué là, là. Là, tu restes bloqué là et tu fais pas chier ton monde. Oh, on va essayer de les gruger, hein. Ah ouais, y a que comme ça que ça marche, quoi. Ça y est, là, ils sont à côté, ça va. Voilà. Oh, aïe aïe aïe, putain, le pauvre jeu débile, quoi. Puis elle va revenir là, je suis... Ah, tu sais pas pousser, en fait. C'est que tu sais pas pousser. What the fuck. Bon, c'est pas grave. Forcément. What? Pourquoi t'es sauté? On prend rien. J'y arriverai pas seul. Oui, bon. J'y arriverai pas seul. Putain, petite nature de merde.
Oh non. Non mais non, mais c'est pas vrai. Puis elle est toute fière de me rejoindre, cette couille. Oh, regarde, je t'ai retrouvé. Ma copine. Mon ami. On va essayer de faire le contraire. Toi, tu restes où t'es. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu restes où t'es. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu restes où t'es. Voilà, on va peut-être y arriver. Toi, tu restes où t'es. Tu actives le truc. Toi, tu rentres. Est-ce que tu sais pousser, toi? Non, faut croire qu'elles savent pas pousser. J'hallucine. Je comprends rien. Et je veux pas y aller sans. Je peux pas le faire seul. Je peux rien faire seul. Putain, ça m'énerve. C'est quoi cette arnaque là? Sert à quoi ce truc là? Ah, salut, je suis monté dessus, c'est la fête. Logiquement, je devrais pouvoir le pousser. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est mal branlé quoi. En même temps, j'ai l'habitude des autres Resident Evil où t'appuies sur un bouton pour pousser un truc. C'est de leur faute aussi. Puis toi, t'as fait quoi toi? Google. Puis l'autre, si elle saute dans le trou pour me rejoindre, j'explose. Voilà. Saloperie. Aïe aïe aïe, je te jure. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Toujours en train de se barrer là. Comme Leslie quoi. Leslie 2. Je suis pas très performant moi sur les médaillons hein. J'ai dû en louper une bonne dizaine déjà. Bon, j'ai rien amélioré. En même temps, je suis pas un jeu pour m'amuser à chercher dans tous les coins un petit truc avec un autre personnage. Je pourrais le faire directement avec le premier, je dis pas, mais... Trop obligé de changer tous les 4 matins pour chercher un truc. Bon, certes, elle éclaire comme ça aussi un peu, mais bon. C'est pas le top du top. Parce qu'elle est pas toujours au taquet, on va dire. Par exemple, là, elle est pas au taquet du tout. Ah là, mon pote, avec ta tondeuse, le tag, ta perceuse, là. Mais j'ai pas de perceuse, moi. Ah, si j'en récupère une, je veux bien. Hmm.
ta gueule. Putain, quel casse-couille celle-là. Oula, attends, regardez un truc bleu. Je l'ai vu celui-là. Putain, ouais, c'est vraiment des... C'est genre... T'as vu le truc bleu? Bah t'as sauté, c'est trop tard. Putain, quelle bande de putes, quoi. Ils ont tout fait pour pas que je puisse tirer dessus, quoi. Oh, les salopes. Tout va bien. N'aie pas peur. Comment tu t'appelles? D'où tu viens, petite? Cette femme t'a emmenée ici? Ou sans... Hey, doucement, Claire. Laisse-moi faire. Tu dois avoir très peur. Moi aussi, j'ai peur. Je m'appelle Moira. Tu vois? On est comme des sœurs. Tout va bien se passer. Ah, le mien, il est plus perfectionné que le tien. Il y a un comme plus grand écran. Doué avec les gosses. Viens. C'est normal, c'est encore une gosse. D'accord. Moi, je suis plus doué que les zombies. Tu as réussi à échapper à la vigilance de tous ces monstres toute seule? Oui. Tu es très courageuse. C'est bientôt fini. Écoute, il y a une méchante femme dans la tour là-bas. Une fois qu'elle aura disparu, on pourra tous quitter cette île. Mais merde. Moira, tu as entendu? Ouais, encore une de ces putains de saloperies. Désolée, je voulais dire une de ces fichues créatures. Et vous savez ce qu'on leur fait. Trop bien avec ta lumière, toi. Merde. Ne bouge pas, attends que je te fasse signe. Ok. On va se coucher. Oh.
J'ai dit, tu restes couché. C'est qui tape comme un bœuf là? Je le sens pas trop. Mais non. Attends, tu m'es pouté, je te l'ai donné. Ça se combine avec ça, tiens, c'est quoi? Ok. Ça, tu me le files. Ça aussi. Ok. Voilà, il est là. Regarde, celui-ci est différent. Ah, il est fatos, quoi. Il a beaucoup mangé, quoi. Il est intelligent en plus, on dirait, comparé aux autres. Oh là 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 là, il y en a combien en plus? Ouh là là, mais il est pas bien lui, oh. Eh ben ça va. Oh putain. Mais non. Putain, c'est bon, on a 3 allumettes, ça y est. Crame comme Jeanne d'Arc. Je suis même pas sûr que je vais vous mettre cet épisode en 1. Je suis pas sûr, je sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus, mais là ça fait peut-être même 2 heures et voire plus. Ouais, ça bug encore à chaque reprise, ça c'est casse-couille. Bon, t'as fini là, ça m'énerve ça. Ah, c'est chiant, franchement, putain. Disque dur de merde. Merde. Mais c'est bien, allez. Ralentissement de merde là. Putain. Vas-y, j'ai eu trop de chance, mais ça me saoule. Regarde, celui-ci est différent. J'avais remarqué. Mais non, mais t'avais pas des bouteilles, toi? Mais si, tout à l'heure, t'avais des bouteilles, là. C'est quoi cet alu, là? Ah, ça m'énerve, tiens. Putain, puis ça bug, c'est chiant.
Allez! Putain, puis il y en a combien qui arrivent? Ouais, en fait, c'est ça. Je vois rien. C'est normal, apparemment. Comment je peux me protéger, là? Est-ce que je peux me protéger, là? C'est pas l'air de protéger grand-chose. Ouais, d'accord. Un truc qui sert vachement. Ça sert à rien, j'ai jeté une bouteille, c'est comme si j'avais rien fait, c'était pareil. Mais non, bouge, bouge, bouge. Vas-y, ça me saoule. Bon, écoutez, on va se laisser là, sur ce bug de reprise de jeu là, qui me pète les couilles à chaque fois. On va se laisser là, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. J'imagine que celui-là, en plus, il va durer pas mal de temps. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura fait marrer, que je m'énerve un petit peu. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Salut à tous!